Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette grande soirée dominicale. Tout de suite, on suit les sommaires. Jean-Michel Samalo Kondé à Bounia, le Premier ministre s'y est rendu, entre autres pour évaluer l'état de siège dans cette province de l'Ituri, une visite qui revêt un caractère humanitaire. Place maintenant à l'actualité immédiate. Les caucus des députés nationaux de l'Ituri saluent la visite du Premier ministre Jean-Michel Samalo Kondé dans leur province. La rencontre a eu lieu ce dimanche 22 août 2021. Suivez les détails avec Ndaï Lambouchi et James Katamboa. En ce jour de travail à Bounia, chef lié de la province de l'Ituri, le Premier ministre Jean-Michel Samalo Kondé Kenge a présidé ce dimanche une séance de travail avec les caucus des députés nationaux de cette province. Cette séance de travail à laquelle a pris part le ministre national de la Défense s'inscrit dans le cadre de sa mission à dévoiler, à savoir humanitaire et sécuritaire, sur notamment l'évolution des décisions prises en rapport avec l'état de siège décrété dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous voulons d'abord sincèrement remercier la présence du Premier ministre en Ituri. C'est depuis longtemps que nous avons vu le Premier ministre arriver dans la province de l'Ituri. Cette rencontre d'aujourd'hui fait la suite de la rencontre qu'on a tenue avec le Premier ministre le 6 juillet 2021 à Kinshasa, dans l'hôtel du gouvernement, avec l'objet de l'évaluation de l'état de siège. Donc nous avons commencé à évaluer l'état de siège après 60 jours à Kinshasa. Et nous avons donné aussi de fermes recommandations au gouvernement, dont la descente en Ituri du Premier ministre pour palper des doigts la situation que vit la population de la province de l'Ituri. Nous avons essayé de présenter la problématique de la vie humanitaire de la population. Notre province est la plus sinistrée de la République démocratique du Congo. Nous avons environ 1 800 000 déplacés internes en Ituri, répartis dans les 5 territoires, ainsi que dans la ville de Bounia. Il est vrai que nous remercions le gouvernement quant à ce qui concerne l'assistance humanitaire, mais nous avons demandé au gouvernement de ne pas se décourager, de continuer à assister la population. Dans le cadre de la sécurité, il y a les problèmes liés aux opérations. Rappelons que le Premier ministre Jean-Michel Samalo Kondé Kenge est arrivé à Bounia depuis samedi 21 août à la tête d'une forte délégation gouvernementale pour une mission humanitaire et sécuritaire dans le contexte de l'état de siège décrété par le président de la République dans cette partie du pays. Dans ce même chapitre, état de siège en Ituri, le Premier ministre Jean-Michel Samalo Kondé évalue le volet humanitaire avec le partenaire impliqué. Encore une fois, retrouvons le duo James Katamboa, Ndaï Lambouchi. Le Premier ministre Jean-Michel Samalo Kondé Kenge a tenu une réunion d'évaluation ce dimanche 22 août à Bounia avec les représentants des agences humanitaires œuvrant dans la province de l'Ituri, actuellement en état de siège. Cette rencontre à laquelle ont pu part les ministres sectoriels a été une occasion pour les humanitaires de faire part au chef du gouvernement l'état des lieux de leurs activités ainsi que des différentes contraintes qu'ils rencontrent dans l'exécution de leurs missions au pays.
Donc le Premier ministre a bien pris en compte tous nos points et il a effectivement aussi apporté des solutions et des réponses et surtout il nous a encouragé à continuer ce travail. Il faut savoir que dans la province de l'Ituri, il y a 2,8 millions de personnes qui sont dans le besoin et 1,7 million de personnes qui sont déplacées. La moitié de la population d'Ituri, même plus de la moitié, est affectée d'une façon ou d'une autre par la situation d'insécurité. Il y a quelques jours, on était en train de célébrer la journée de l'aide humanitaire, qui était l'occasion de rendre hommage aux travailleurs humanitaires, mais tout d'abord à tous les Congolais qui sont en train de soutenir leurs compatriotes, notamment leurs compatriotes déplacés, en partageant avec eux que ce soit leur nourriture, leur toit ou tous les services auxquels eux ont accès et que d'autres qui ont été affectés n'ont pas accès. Arrivé à Bounia depuis le samedi 21 août, le Premier ministre Samalou Koundé est accompagné d'une forte délégation de membres du gouvernement pour cette mission humanitaire. Au nombre des membres du gouvernement qui ont fait partie de ce voyage, citons le ministre d'État à la Justice et au Budget, le ministre du Genre, de l'Essu, de l'Industrie, des Affaires Sociales, de la Communication et Médias, ainsi que le vice-ministre des Affaires Étrangères et de l'Intérieur et Sécurité. Tout à fait autre chose, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce vendredi 20 août 2021 par visioconférence la 16e réunion du Conseil des ministres. 5 points ont été inscrits à l'ordre du jour. Les détails vous sont livrés ici par le porte-parole du gouvernement, ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya. Présence depuis le 14 août 2021 d'un groupe de forces spéciales américaines, de l'unité spéciale antiterrorisme, dans le cadre de la coopération militaire République démocratique du Congo, États-Unis d'Amérique. Des réactions et commentaires en sens divers au sein de l'opinion sur la nouvelle tarification d'avions des vols domestiques publiée par le ministère de l'Économie. La forte attente de l'opinion du dénouement à l'Assemblée nationale de la crise consécutive à la désignation par les confessions religieuses du candidat président de la Commission électorale nationale indépendante. Poursuivant sur ce chapitre, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant a présenté au Conseil une situation sécuritaire qui demeure relativement calme et sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. Les opérations militaires se poursuivent dans la partie est, particulièrement dans les provinces de l'Ituri et de Nord-Kivu, placé sous état de siège. Il a exprimé l'optimisme du gouvernement quant à l'atteinte de l'objectif final recherché, à savoir mettre hors d'état de nuire les ennemis actifs dans cette partie du pays depuis près de 25 ans, ramener la paix, la stabilité et la sécurité. Sur le terrain, les forces armées de la République démocratique du Congo ont pris et mettent en œuvre les dispositifs suivants. La poursuite des opérations militaires en profondeur dans les zones rouges, les renforcements des dispositifs de renseignement opérationnels par l'acquisition des drones tactiques et les recours à des avions de reconnaissance, le bouclage de la formation du bataillon de combat en jungle qui attend l'équipement pour son opérationnalisation. Avant de clôturer cette réunion, le président de la République, chef de l'État, a donné la parole au ministre des Transports, Voie des communications et des enclavements, qui a informé le gouvernement de l'incendie qui a ravagé ce vendredi le siège de la régie de voies aériennes. Plusieurs bureaux ont été totalement endommagés par le feu. Le président de la République a demandé au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières, de diligenter une enquête pour établir rapidement la cause de cet incendie. Commencé à 11h10. La réunion du Conseil a pris fin à 14h20. Nous allons nous rendre dans la partie est de la République démocratique du Congo où les tenanciers des kiosques étalent au marché central de Butembo s'activent à moderniser leur lieu de négoce. La suite avec Francine Moussoua. Nous sommes au marché central de Butembo. Cette rangée est réservée aux produits de beauté. Depuis un temps,
Certains vendeurs ont choisi de remplacer leur étalage par ces constructions en fer. C'est le cas de Krendonasi, cette vendeuse qui ouvre la porte de ce kiosque. Elle explique se sentir mieux à celui du travail depuis qu'elle a changé, muté d'un étal en bois vers un kiosque métallique. Plus question de payer au quotidien les manutentionnaires qui déplaçaient ses marchandises chaque matin et soir, se réjouit-elle. Tellement plus de soucis. Nous ouvrons juste les portes pour installer nos articles. Plus question d'installer le matin pour désinstaller le soir. Kassere Kamouissa, vendeur depuis 15 ans de ses produits de beauté, se réjouit d'avoir désormais un abri. Cette construction lui permet de garder ses marchandises à l'abri de la poussière pour le bien de ses clients. Cette pratique ne nous facilitait pas la tâche. Ces kiosques sont un ouf de soulagement. Et on n'achetait pas nos articles aisément suite aux conditions inappropriées qui s'y imposaient, telles la poussière étant visible sur la marchandise. Fatigué de déplacer sa marchandise chaque matin et soir, Augustin veut aussi se construire un kiosque métallique. Cependant, les moyens font encore défaut. Nous cherchons l'argent pour construire ces kiosques. Nous sommes vraiment avantageux pour installer et même désinstaller nos marchandises. Ça nous épuisait vraiment. La construction des kiosques métalliques a dévié une tendance au marché central de Butembo. Il faut un minimum de $300 pour ériger un kiosque de cette nature, au fait savoir les marchands. Le chrétien catholique de l'archidiocèse de Kisangani peuvent se frotter les mains car ils ont désormais un nouveau prêtre et trois diacres qui ont été ordonnés ce dimanche 22 août par l'archevêque Marcel Outembi. La cérémonie des ordinations diaconales et sacerdotales a été présidée par Son Excellence Monseigneur l'archevêque Marcel Outembi Tapa, président de la CENCO. La messe des ordinations a eu lieu à la cathédrale Notre-Dame du Trans-Saint-Rosaire, en présence de milliers de fidèles chrétiens venus de différentes paroisses et des vicariats ville de Kisangani. Emery Kandondo, Raphaël Ngumbi et Siméon Moumeme ont été ordonnés diacres, tandis que le diacre Napoléon a été ordonné prêtre. Plus de 40 prêtres ont concélébré cette messe qui a connu la participation du gouverneur de la province de la Tchopo, Maurice Abibou Sakapela, le président de l'Assemblée provinciale, la sénatrice Madeleine Nkomba et d'autres officiels. Dans son exhortation, Mgr Marcel Outembi Tapa a invité le nouveau diacre et prêtre de vivre l'évangile qu'ils vont prêcher, c'est-à-dire être les vrais ministres de Dieu à travers leur témoignage de vie. Il s'est de signaler que le samedi dernier, l'archevêque Marcel Outembi Tapa a présidé la cérémonie de vêtis des sultanes et décollation des ministères de lectorat et d'acolita. Au total, 14 séminaristes et des diacres qui ont professé leur foi. Et dans la page rétrospective, nous allons revenir sur l'arrivée du Premier ministre Jean-Michel Samalukonde à Bounia. Vous allez suivre tout à l'heure cet accueil chaleureux qui lui a été réservé. Arrivé à 19h15, heure de Bounia, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde a bravé tous les risques pour le suivi des décisions prises consécutivement à l'état de siège dans cette province. Cette visite a aussi un caractère humanitaire pour la population de Bounia. Accompagné de plusieurs ministres sectoriels, Jean-Michel Samalukonde s'est confié à la presse à sa descente de l'avion en ces termes. D'abord, je voudrais dire que je suis très content d'être ici en Ituri, effectivement pour une première visite.
visite ordonnancée par son Excellence Monsieur le Président de la République, qui était ici au mois de juin et qui nous a demandé de venir faire le suivi des décisions qui avaient été prises consécutivement à l'état de siège que nous avons ici en Ituri. Ensuite, la deuxième mission, au-delà de l'évaluation, c'est une mission humanitaire. Parce que comme vous le savez, nous sommes dans une situation où il y a des familles qui sont déplacées, qui ne peuvent pas être dans leur lieu habituel de résidence. Et nous voulons leur apporter notre soutien ici et leur témoigner notre solidarité. Et à tout le peuple itourien qui n'a que trop souffert des insécurités ici depuis plus de 20 ans. Et pour finir, nous avons cette question qui concerne l'état de siège où nous voulons éradiquer ces forces négatives et ces forces terroristes et faire une demande à ce qu'il y ait une reddition des armes, surtout pour nos jeunes dont nous ne voulons pas voir la vie être perdue inutilement. Déjà ici, nous allons faire une évaluation avec monsieur le gouverneur militaire ici sur cette question. Mais comme vous le savez, depuis peu, nous avons le comité du programme PDDRCS. Et donc, ça va faire partie de leur première mission de venir ici pour d'abord faire une évaluation de la situation. Et par la suite, vraiment, il y aura une prise en charge. Ça fait partie de nos priorités. Parce que nous estimons qu'en même temps que nous menons ces batailles, cette guerre contre les forces négatives, en même temps nous devons nous occuper de nos compatriotes qui veulent retourner à la vie civile. À son arrivée à Bounia, le chef du gouvernement central a été accueilli par le gouverneur militaire, les honorables députés de l'Ituri et toutes les forces vives de la province. Une foule nombreuse en liesse a salué l'arrivée du Premier ministre dans cette province. Au nombre des membres du gouvernement qui font partie de ces voyages humanitaires, il y a les ministres d'État à la justice et au budget, les ministres du genre, de l'issue, de l'industrie, des affaires sociales, de la communication, ainsi que le vice-ministre des affaires étrangères et de l'industrie et sécurité. Vous le savez, le 41e sommet de chefs d'État et de gouvernement de la SADC a vécu. La République démocratique du Congo a raflé la vice-présidence pour l'année en cours en attendant d'assumer la présidence de cette organisation sous-régionale en 2022. Au terme de deux jours de travaux du 48e sommet, les chefs d'État et de gouvernement de la SADC ont pris un certain nombre de décisions. En ce qui concerne particulièrement la République démocratique du Congo, le sommet a élu le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au poste de vice-président de la SADC, ce qui le prédestine à prendre la présidence de l'institution en 2022. Aussi, les 16 dirigeants de l'Afrique australe ont confié à la République démocratique du Congo l'organisation du 42e sommet en août 2022, sommet au cours duquel le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, succédera au président du Malawi, Lazare Chakwera. Après l'Union africaine, la République démocratique du Congo sera encore une fois honorée de voir son président diriger en même temps la CEAC et la SADC en 2022. C'est une victoire diplomatique non moins importante pour le pays, se félicite le patron de sa diplomatie. Je crois que l'acquis le plus important pour nous, c'est le fait que notre pays et à travers la haute personnalité du chef de l'État, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous avons acquis la vice-présidence de la SADC jusqu'au mois d'août de l'année prochaine. Moi, qui va consacrer, si vous voulez, le fait que le président va devenir le président de la SADC. Donc, au mois d'août, eh bien, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et à travers lui, notre pays, prend le leadership de la SADC. C'est très important parce que nous aurons des initiatives à prendre. Et si vous voyez bien, après l'Union africaine, à la fin de cette année, ça sera l'année prochaine, et la CEAC et la SADC. Donc la RDC va confirmer son retour
sur la scène internationale en général et sur la scène africaine en particulier. Un deuxième acquis, c'est que nous venons de signer le protocole sur l'industrie et le protocole sur le commerce. Cette question est alors définitivement résolue. On peut ajouter un troisième acquis, c'est l'affirmation de notre implication, de notre volonté d'être actif au sein de la SADC comme communauté de destin des pays de l'Afrique australe, membres de cette organisation sous-régionale. Au plan sous-régional, le sommet de Lilongwe a salué l'alternance pacifique opérée en Zambie et félicité les présidents entrants et sortants. Par ailleurs, le secrétariat exécutif de la SADC a été confié au candidat du Botswana, pays qui abrite déjà les sièges de cette institution. Après concertation avec le secrétaire technique de la riposte contre la COVID-19, le gouvernement a décidé d'alléger les mesures prises pour endiguer la troisième vague de coronavirus. Ouf de soulagement pour les Kinois qui ont salué la réouverture des espaces publics. À Kinshasa, ceux qui aiment passer du beau temps dans les bars, terrasses et boîtes de nuit viennent de pousser un ouf de soulagement suite à la levée de mesures prises par les autorités pour lutter contre la COVID-19. 48 heures après cette décision, les tenanciers de bars, terrasses et boîtes de nuit se disent satisfaits car, soutiennent-ils, l'interdiction de fonctionnement dont ont été frappées leurs unités de production a eu un impact réel et négatif sur leur économie. Je suis très contente que le président de la République ait décidé de lever ces mesures. Ce travail me permet de nourrir ma famille. Je remercie le chef de l'État d'avoir levé la mesure. Vous avez bien, vous avez un confinement et puis à un moment donné, te retrouver encore joie. Pour rappel, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait pris des mesures interdisant, entre autres, aux bars, terrasses et boîtes de nuit de fonctionner pendant des semaines suite à la troisième vague mortelle de la COVID-19. Et la semaine qui vient de s'achever a été aussi marquée par la rencontre entre les deux présidents du Parlement, c'est-à-dire de la Chambre haute et la Chambre basse, au cœur de leur entretien, évolution du processus de désignation du futur président de la centrale électorale, la prorogation de l'état de siège, arrivée sur Kinshasa de députés parlementaires panafricains. Suivez les détails dans ce reportage. Depuis que le processus de mise en place du bureau et de la plénière de la Commission électorale nationale indépendante a commencé, c'est pour la première fois que les présidents des deux chambres se retrouvent en tête à tête. En début de soirée de ce lundi 16 août, Modeste Bahati-Lukwebo, président du Sénat, a rencontré son homologue de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso-Nkodia-Poanga. Au menu des échanges entre les présidents des deux chambres du Parlement, le rapport de Christophe Mbosso à Modeste Bahati sur l'évolution des travaux de la commission paritaire mise en place pour examiner les dossiers individuels des candidats désignés par les composantes. J'avais également fait état du délai supplémentaire que nous avons accordé aux confessions religieuses afin qu'ils arrivent à trouver une solution au problème de la désignation du président de la CENI et des membres de la plénière. Donc, nous avons parlé de toutes ces questions. Tout marche bien. Je voudrais préciser, l'occasion faisant les larrons, que ceux qui parlent de forcing, il n'y a pas de forcing. Il n'y en a pas. De plus, les présidents des deux chambres se sont aussi concertés autour de l'arrivée à Kinshasa à partir de ce mardi 17 août 2021 des délégations du Parlement panafricain. Ces délégations viennent aussi pour rencontrer le président en exercice de l'Union africaine, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi.
Le violon ne s'accorde toujours pas entre les membres de la sous-plateforme Confession religieuse au sujet de la désignation du futur président de la centrale électorale. Qu'en pense alors la population quinoise? Sylvie Fortuné-Mboula a promené son micro pour recueillir les avis des uns des autres. Suivant. Les violons ne semblent toujours pas s'accorder entre le chef de confession religieuse sur la désignation du futur président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, malgré les délais prorogatoires accordés par le bureau de l'Assemblée nationale. Alors qu'une plénière était prévue ce jeudi à la commission paritaire mixte pour tenter d'aplanir les divergences résiduelles au sein de confessions religieuses sur cette épineuse question, 6 de 8 confessions religieuses auraient déposé leur procès verbal sans la SENCO et les CC une fois de plus. Le peuple congolais, qui observe de près les divergences des pères spirituels, veut voir ces processus aller jusqu'au bout. Je demanderai à l'église catholique et aux représentants de l'ECC vraiment d'être des Congolais, de ne pas nous faire traîner dans le bout pour demain on puisse encore créer des problèmes. Ils savent très bien que le monsieur là, si c'est Kadima, s'il a pu passer dans toutes les étapes, moi je crois que s'il le mérite, il n'a qu'à faire à nous préparer les élections comme prévu. Moi je crois que c'est un passe-temps, on devrait déjà passer. Mbosso, quant à lui, malgré jusqu'à aujourd'hui, on a donné, ils ont fait 48 heures. On leur a donné 48 heures pour donner le nom. Jusqu'à présent, ils nous font passer le temps pour rien. Si je pourrais adresser un message directement au père de l'église, je commence par M. Dodo Kamba, le pasteur Dodo Kamba. J'ai beaucoup de respect pour lui, j'ai beaucoup d'estime à sa personne. Je pense qu'il est question d'obtempérer. On ne doit pas gérer surtout une question qui nous concerne tous avec beaucoup de muscles pour dire que non, voilà, on doit toujours être en discordance avec les autres. Il est question de mettre en paix de l'eau dans l'air vert pour essayer d'harmoniser la situation ensemble avec l'autre son de cloche. Je vais directement adresser un message à la SENCO. Moi, je pense qu'on ne doit pas toujours s'opposer pour s'opposer. Il est question de trouver un consensus autour d'une personne, peu importe sa nature, peu importe sa couleur, sa tribu, cela ne pose pas problème. Nous devons avancer. Il y a un calendrier devant nous où nous devons respecter. Surtout les élections, nous attendons les élections à tout prix. Vous savez, la conjoncture du pays actuel, nous devons sanctionner les politiques. Il faut que les confessions religieuses fassent montre de bonne foi, qu'ils s'inclinent devant la majorité. C'est tout le message que je peux lancer, puisque le peuple n'a pas besoin de considérations d'ordre tribal. Loin de là, quelle que soit la tribu, mais si la personne a été élue en bonne et due forme, il faut se foutre des considérations d'ordre tribal. Même si, apparemment, les carottes semblent être cuites à l'Assemblée nationale où le plébiscite des 6 églises sur 8 prend de plus en plus des allures d'un besoin ficelé d'avance, les regards sont actuellement tournés chez le président de la République, Félix Tshisekedi, pour arrêter ou laisser faire ses fillettons. Appelé à être au-dessus de la mêlée. D'ailleurs, la Conférence épiscopale nationale du Congo SENCO et l'Église du Congo SCC, devenue marginalisée, l'en aurait déjà mise en alerte. Nous allons nous rendre au Congo central pour constater avec vous le délabrement très avancé de la route Luozi, alors que cette dernière est très capitale en ce qui concerne l'intérêt commun. Les détails avec Papi Katas et Jean-Marie Luzingou. Circuler sur la route Luozi dans la province du Congo central est devenu un casse-tête pour les usagers du premier rang de cette route. Près de 96 km allant de Kimpese jusqu'à Kimbembe, cette route se trouve dans un état de délabrement très avancé, d'où les cris d'alarme de la population du coin. Papi Matezolo, député national, affirme de l'implication de ses collègues avec la remise d'au moins 2000 litres de carburant pour accélérer la réhabilitation de cette route d'intérêt commun.
Les démarches sont avancées. J'ai même des données sur de l'office des routes sur les prix pour la réhabilitation de cette route. Mais vous comprendrez que maintenant que nous avons pris un engagement de mener les démarches dans les groupes, je ne vais pas prendre les devants pour dévoiler ce que nous sommes entendus. Mais ce que je dois dire à ceux qui nous suivent, la route de Louose va être réhabilitée. Interrogé à ce sujet, l'administrateur du territoire déclare que toutes les dispositions sont prises pour résoudre cet impuné problème de l'état de la route de Louosi. Les dispositions au regard de nos alliés, au regard du vice-gouverneur qui est arrivé, au regard de ce qui s'est passé à Matadi au niveau du Conseil des ministres, toutes les précautions sont prises pour la réhabilitation de cette route. Mieux vaut prévenir que guérir, dit-on. La saison des pluies approche. Pour éviter les dégâts matériels et des pertes en vie humaine, il faut un regard pressant sur la réalisation en urgence des travaux dans ces sites. C'est la fin de cette édition, mais avant de nous quitter, suivons d'abord ce rappel de titre. Jean-Michel Samalukonde à Bounia, le Premier ministre s'y est rendu, entre autres pour évaluer l'état de siège dans cette province de l'Ituri, une visite qui revêt un caractère humanitaire. Ce journal est complètement terminé. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur la chaîne des références. Au revoir.